de profil. Merci, monsieur Zola. S'il vous plaît, mon cher maître, les empreintes digitales. Alors, les pouces. Et maintenant, les index. Voilà. Essuyez-vous, monsieur Zola. Voilà le fameux bertillonnage. Oh, magnifique! Je n'en ai jamais vu d'aussi belle, d'aussi nette. Ah, vous n'en avez jamais vu de pareil? Ah, deux empreintes ne sont jamais semblables, mon cher maître. C'est comme l'écriture. Exactement. Mais dites-moi, vous me semblez intéressé par la politique. Moi? Non. Quoi? Vous ne portez pas le moindre intérêt à l'affaire? Quelle affaire? Cet officier juif, Dreyfus. Ah oui. Tout le monde me parle de lui, mais vous savez, professeur Bertillon, moi, la politique. Est-ce que vous en avez terminé? Oui, 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 mon cher maître. Eh bien, je vous remercie. Et dites-moi, vous savez, j'ai été chargé par le haut état-major de l'identification de l'écriture du condamné. Ah oui? Ah, ils ont fait du bon travail au deuxième bureau. Ils ont été très vite, ils l'ont trouvé tout de suite. Ah. Voyez-vous, c'est secret, confidentiel. Le bordereau obéit à un rythme géométrique dont l'équation se trouve dans le buvard du condamné. C'est la preuve irréfutable de la culpabilité de Dreyfus. Confidentiel, secret, silence. Vous pouvez compter sur moi, professeur Bertillon, et je vous remercie. Mon cher maître. Monsieur Zola. Hein? Votre paquet. Ah! Merci. Merci. Je vous en prie. Balzac. Fleur préférée. Rose. Salambo. Flaubert. Orléans. Dupanloup. Oui. On ne contrôle pas les associations d'idées, monsieur Zola. Continuons, mon cher maître. Tonnerre. Émotion. Émotion pénible. J'avais très peur du tonnerre quand j'étais enfant à Aix. Dimanche. Ennui. Politique. Politicien. On s'obstine à faire de moi un écrivain politique, c'est idiot. Fille. Pardon? Fille. Une raccrocheuse. Ruth. Serre. Pied. Femme de Greuze. Oui, les pieds des femmes de Greuze. Tiens. Vous avez bien noté, mademoiselle, monsieur Zola voit les pieds des femmes de Greuze. L'objet le plus précieux. Quoi? Je vous demande l'objet le plus précieux. Une machine à vapeur en diamant. Une machine à vapeur en diamant. Cœur. Maladie de cœur, j'ai peur de mourir subitement. Lutte. Ma vie. Virilité. Verge. Coït. Femme. Canapé. Coït. Oh, je vous demande pardon, mademoiselle. Aucune importance, mademoiselle est mon assistante. Ah oui. Dieu. Infini. Au sens vague. Mort. Mort de ma mère. Parfait. Cher maître, je suis satisfait d'avoir pu examiner un homme comme vous. Comme j'examine à l'asile des sujets moins illustres. C'est terminé, professeur? Oui, pour aujourd'hui. Merci.
Avez-vous des photographies de votre mère, jeune? Ah, bien sûr, professeur Toulouse. Apportez-les à la prochaine séance. Bien, bien. Mademoiselle Cellier, réclamez les photos le plus tôt possible. Eh bien, au revoir, professeur Toulouse, et merci. Au revoir, cher maître. Ah, monsieur Zola, vous oubliez un paquet. Oh, décidément. À bientôt, mon cher maître. Nous avons encore beaucoup à travailler. Oui, merci, professeur. Mademoiselle, voulez-vous prendre quelques notes? Disposition nerveuse originelle à la névropathie. Je n'ai jamais vu un aussi beau dégénéré supérieur. Je ne pensais pas que tu viendrais si tard. J'ai eu une journée terrible, si tu savais. Et les enfants? Ils dorment. Déjà? Et Denise? Denise va mieux? Oui, oui, son rhume est entièrement guéri. Et Jacques? Mais lui, ça va très bien. Mais je le trouve quand même pas lotte. Mais non, le docteur est venu. Tout va très bien. J'avais su que tu viendrais quand même, j'aurais pas mis les papillons. Mais tu es parfaite. Attends. Mais c'est bien ça, cette ressemblance. Quelle ressemblance? Tu vas voir. J'ai apporté quelque chose pour toi. Une surprise. J'ai failli l'oublier trois fois aujourd'hui dans mes visites. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu vas voir. Je crois que ça te plaira. Qu'est-ce que c'est? Attends, attends. Beau, hein? Oui. Alexis m'a dit un jour que tu ressemblais aux jeunes femmes de Greuze. Hein? Oui, oui, toi. Le port, l'allure, le cou et la grâce. Eh bien, cette gravure, je l'avais dans ma chambre au quartier latin. J'étais la rechercher au grenier. C'est drôle, la vie. C'était toi et je ne le savais pas. Ah! Ça va très bien ici. Impossible, ma chérie. J'ai pas fini ma journée. Du Marquis m'a donné rendez-vous. À cette heure-ci? Eh oui, c'est un couche-tard, tu sais. Il y a deux fauteuils libres. Je me présente aux deux. Ah, cette académie. Bon, bah, tu prendras bien une tasse de thé, justement, je n'en fais. Oui, si tu veux, mais vite alors. Et puis sans sucre. La journée a été dure? Oh, terrible. Examen sur examen. Bertillon à la préfecture de police, et puis Paul Bourget. Et enfin, du Marquis. Et le professeur Toulouse à Sainte-Anne. À Sainte-Anne? Oui. Tu as été à Sainte-Anne? Rassure-toi, il ne me garde pas. Je me suis sacrifié à la science, Jeanne. Je t'expliquerai. Mon pauvre petit, je te délaisse. Il faut pourtant que je file. Mais tiens, toi en forme, hein. Dimanche, on fait un grand tour au bois avec ta nouvelle bicyclette. Pneumatique gonflable. Une vraie petite reine. Tu es très joliment laide avec tes papillotes. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est merveilleux. Quelle invention, ces pneumatiques gonflables. Ah oui, puis c'est souple, hein? Oui. C'est confortable, hein? Demandez la libre parole, la dégradation des Juifs Dreyfus.
On a de la chance. Quel beau temps il fait aujourd'hui. Oh oui, magnifique. Oui. Qui est-ce? Le plus jeune, c'est Léon Daudet et l'autre, c'est Drummond. Il est affreux, Drummond. Oh, ouais. Ah oh ouais, il le sait. On continue? Ça marche comme sur des roulettes. Émile, je tombe. Hein, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, écoute, n'insulte pas une femme qui tiens, tombe. Tiens-moi ma bicyclette. Oh. Ben, c'est crevé. Oh. C'est bien ces pneumatiques gonflables, mais c'est inattendu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on répare avec de la dissolution de caoutchouc. Tu sais le faire? Non. Enfin, pas encore. Hein, on va continuer à pied. On laissera les bicyclettes au chalet du lac et puis on reviendra en fiacre. Tu n'es pas fâchée? Oh non. Jamais, il y a du monde. Oh, excuse-moi, je suis une petite touche. Vraiment, hein, tu n'es pas fâchée. Je suis heureuse. Je suis tellement heureuse de t'avoir un moment pour moi toute seule. Où est donc votre mari ce matin? Il est allé rendre visite à Monsieur France. Ah bon? Ah bah alors je m'étais trompée. Pourquoi? J'ai cru le voir tout à l'heure. À bicyclette. À bicyclette. C'était sûrement un autre cycliste. Sinon, il serait venu au bois avec moi. Mais bien sûr. Alors, comme ça, il est allé rendre visite à Anatole France. Il est vrai qu'ils courent tous les deux après l'académie. Enfin, je veux dire, l'académie française, bien sûr. Ne venez pas trop tard demain soir pour dîner. J'ai l'intention de faire des pompiètes. Oh, des pompiètes. Je les adore. Vous en êtes à la 8e ou à la 9e veste? On peut en parler. Émile ne compte plus ses échecs à l'Académie française. Mais si, je les compte, j'en suis au 15e. Oh. Oui. Fauteuil de Lecomte de Lille, pas une voix. Mon record. Quelle obstination. Eh oui. Tant que je me présente, je ne suis pas battu. Vous luttez toujours comme un jeune homme. Oui, jeune et patient. Puisque l'Académie française existe, je dois y être. France me le disait encore hier soir. Tiens, Monsieur France est à Paris? Je le croyais en Touraine. Mais oui, mais il est rentré. Est-ce que je peux vous aider, Zola? J'ai beaucoup d'amis à l'Académie française. Oui, Daudet, mais pas qu'être Conti. Vous savez, pardon, vous savez que j'aime beaucoup Paul-Alexis. Mm-hmm. J'aimerais que vous le preniez à l'Académie Goncourt. Toujours aussi séduisant, Alexis. Un don juan, un boniche, comme votre monsieur France. Je me demande ce qu'ont les hommes à cet âge. Surtout les hommes de lettres. Que voulez-vous, Alexandrine? Il faut bien qu'un moment ou l'autre, le roi David trouve à bisague. La jeune tsunamite au sein nu, dont parle votre mari avec tant de bonheur. Oui, c'est... Non, c'est vrai, on découvre dans votre œuvre récente une certaine influence biblique. C'est évidemment ce que je voulais dire. Alexandrine, votre Savarin était exquis. Mm. Et vos paupiètes, ça, je ne partirai pas sans que vous m'en ayez donné la recette. N'oubliez pas que vous me l'avez promise, au bois de Boulogne. Bien. Si nous passions au salon pour prendre le café. Ben avec plaisir. Oh,
Attendez, Alphonse, voulez-vous que je vous aide? Volontiers, oui. La vie devient difficile, mon cher Zola. Avec la doulou. La doulou. Oui, c'est comme ça qu'Alphonse appelle son inséparable ami, la douleur. C'est joli, hein? La doulou. Berthe, vous pouvez débarrasser, mais vous laissez le couvert de M. Léon Daudet. Oh, à cette heure-ci, je ne sais pas s'il va venir. Il est incorrigible. Oh, lui et la politique. Ah. Vous en avez des belles choses, Émile. Oui, et si différentes. Oh, un vrai bric-à-brac. J'ai le goût du bric-à-brac. Dès que j'ai un peu d'argent, j'achète n'importe quoi. N'importe quoi. Il est bien joli, ce cabinet vénitien. Ah, celui-là. Je l'ai acheté à Rome, chez un brocanteur, avec mes droits italiens. Il est vrai que vous êtes traduit dans toutes les langues. Alors, bien sûr. Non. Non, l'argent ne m'intéresse pas. Je me prends même parfois à regretter la mansarde de ma jeunesse. Au fond, vous êtes un romantique, Émile. Indécrottable. Vous le sentez, hein, Alphonse. Merci, Jules. Monsieur Léon Daudet. Enfin, Léon. Je croyais que tu ne viendrais plus. Madame Zola, je vous prie de m'excuser. Nous avons fini le dîner, nous allions partir. Ah, si vous savez quelle journée. Bonsoir, mon cher maître. Vous avez bruni à Rome. Vous avez dîné. Non, mais je n'ai pas faim. Oh, vous allez bien manger quelque chose. Non, vraiment, je suis passé en coup de vent juste pour m'excuser. Tu rentres avec nous. Non, je passerai à la maison demain. Des amis m'attendent. Enfin, que se passe-t-il? On l'a dégradé ce matin. On a dégradé qui? Dreyfus, voyons. Ah oui. Ah, si vous aviez vu ce Dreyfus aller à sa dégradation. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être déshonoré dans cette race-là. Vous exagérez, Léon. Pendant que l'adjudant de dragon Bouxin lui arrachait les galons et brisait son sabre, là, comme ça, sur le genou, un géant, Dreyfus se tenait immobile, les doigts sur la couture du pantalon. Immonde. Il répétait sans cesse, je suis innocent, je suis innocent. On aurait dû couvrir sa voix par des roulements de tambour. Mais Léon, vous injuriez ce Dreyfus parce qu'il a supporté courageusement cette affreuse cérémonie. Qu'est-ce que vous auriez dit si son pas avait chancelé? Mais enfin, cette attitude grotesque de Dreyfus ne rimait à rien puisqu'il a fait des aveux. Ah, il a fait des aveux. Oui, tout de même, cet antisémitisme. Il y a de l'antisémitisme là-dedans. Et alors? Je les hais. Depuis 20 siècles, ils pourrissent tout. Bon, eh bien, maintenant, je file. Mes hommages, chère madame. Je vous accompagne jusqu'à la porte. Non, merci, mon cher maître. Ne vous dérangez pas, je connais le chemin. Quelle vilaine affaire. Je n'aime pas la férocité des foules, la meuté contre un seul homme. Fut-il 100 fois coupable? Vous n'allez pas vous mêler de cette histoire, Zola. Ah non, alors, oh non. Qu'est-ce que j'y ferai? Et puis, je suis en plein travail. Il se fait tard, Alphonse. Nous devrions rentrer. Merci, Jules. Oh, Alexandrine, c'était exquis. Vraiment? Ah oui, c'était vraiment délicieux. Mes hommages, madame. Bonsoir. Merci, Émile. Je vous accompagne, Alphonse. Ah, vous avez bien raison de ne pas vous mêler de cette affaire Dreyfus. Sinon, l'Académie, c'est que... Ils sont tous antisémites là-bas, ou presque. Puis entre nous. Comment voulez-vous que cet officier d'un conseil de guerre se soit trompé à l'unanimité, hein? Oui, c'est vrai, oui. Bien bientôt, Alphonse. À bientôt. Bonsoir, mon cher maître. Bonsoir, chère madame. Bonsoir, Alexandrine. Bonsoir, cher ami. Vous n'oubliez pas, hein, pour Alexis. Ah non, c'est promis. Quelle vipère, cette Julien. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec son roi David et sa tsunamite, hein? Oh, simple citation de femme de lettres. Tu as vu Monsieur France hier matin? Bien sûr. Tu n'étais pas un petit peu au bois de Boulogne, non? Moi? Au bois de Boulogne? À bicyclette. Non. Émile,
Je ne tolérerai jamais d'être la risée de Paris à cause de toi. Ah, tu es nerveuse, tu devrais te coucher. Mais tu n'as pas honte de t'afficher avec cette fille qui a 30 ans de moins que toi. Allons, Alexandre. Ah, ne me touche pas. Ben, où tu vas? Je vais dans mon bureau. Très bien. Ah. Bonne nuit, roi David. Julia, tu as encore asticoté cette pauvre Alexandrine. Elle m'agace. Oh. Tu as vu leur nouveau cabinet vénitien, ça doit coûter une fortune. Il a beau être un géant du tirage, sans Zola, c'est elle qui porte la culotte. Oh. Elle était déjà comme ça en 70 du temps de Cézanne. Moi, je suis une brave femme. Une bourgeoise qui sent encore la boutique. Elle a de la moustache. Oh, tu exagères. Et regarde son portrait. Ça lui a pas échappé à Manet. Et lui, son académie, sa fièvre verte. Tu sais, c'est à cause d'elle qu'Émile n'est pas à l'Académie française. Ce n'est pas le plus drôle, Alphonse. Son Émile, je l'ai vu hier matin au bois de Boulogne avec la belle lingère, comme deux amoureux. Tu es sûre? Oh, ben, tu demanderas à Léon. Même que Léon m'a dit comme ça. Émile Zola n'est plus tout à fait un chaste. C'était d'un drôle. Sept ans déjà. Est-ce que je serais plus heureux si je ne t'avais pas rencontré, mon petit Greuze? Ça serait plus calme, oui. Les cimetières sont calmes. Où sont-ils? Quoi? Bah, mes selles. J'arrive pas à mettre la main dessus. Et voilà. Merci. Alexandrine, je ne peux pas te voir malheureuse. Tu sais, cette soirée ne m'a pas réussi non plus. Julia est une garce. Avec le fils qui a des dents de loup, ce n'est pas la bonté qui domine dans la famille. À part Alphonse. Oh, le pauvre Alphonse. Il est 3 heures. Tu devrais essayer de dormir. Hein? Mon pauvre Émile. Le bois de Boulogne. À ton âge. Vous vous souvenez, quand on complotait ici, les soirées de Médan? Oui, il y avait déjà autant de moustiques. Nous voilà avec 15 ans de plus. Le pauvre Maupassant est mort. Nous nous voyons si peu. Notre amitié n'en est que plus fort. C'est
C'est vrai, c'est rare. Quelle chaleur. La Seine est encore plus odieuse en été. Et ces moustiques. Moi, j'aime bien la Seine. On est si loin de tout ici. Ça, c'est vrai. Vous n'avez pas lu la libre parole. Je ne lis pas le torchon de Drummond. Et surtout quand je suis à Médan. Sale homme et sale canard. Vous avez vu, il me traîne dans la boue. Le pornographe Zola. Le vidangeur Zola. Vous dites vous-même que ça vous fait de la réclame. Il y a des limites. Enfin, vous le savez bien, je dis ce qui est. Ce n'est pas ma faute si la réalité est sale et laide. Ce n'est qu'une passion, la vérité. En peignant surtout le noir. Mais alors, il y a bien assez d'écrivains à bouclette pour plein d'autres choses. C'est ça qu'on me reproche. Nana, Pobouille, la curée, Germinal, la prostitution, la crasse bourgeoise, les spéculations sur les terrains, l'exploitation des pauvres et la stupidité des généraux de caste. C'est surtout ça pour la libre parole, Séard. C'est dommage qu'il y a des informations dans ce journal. Drummond parle de guerre, toujours l'affaire Dreyfus. Il appelle l'armée au pouvoir. Les boulangers, ça ne lui a pas suffi. Cet antisémitisme. C'est surtout ça qui me dégoûte. Il n'a pas tous les torts. Qu'est-ce que vous dites? Mais Rothschild aussi, ça existe, non? Oui, sans doute, mais enfin. Dites-moi, Zola, ce n'est pas pour me parler politique que vous m'avez invité à faire cette promenade en barque. Oh, ma foi, non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais alors, toujours pareil. Voulez-vous, quand on a deux ménages sur les bras et deux enfants, dont le faisant. Ah, le faisant, c'est un... Ma joie à Lourdes quand j'ai appris par vous la naissance de mon fils Jacques. Un garçon faisant bien arrivé. C'était l'annonce que vous aviez passée au Figaro. Et Alexandrine n'en a jamais rien su. La tête des pèlerins de Lourdes, ils m'ont cru miraculé. Il va bien, mon filleul. Ah, le faisant va bien. Ah bah, tiens, voilà. C'est pour ça que je vous ai prié de venir. Un nouveau faisant? Hélas, non. Hélas, comme vous y allez? Je dis bien hélas, c'est... J'aurais voulu d'autres enfants. Jeanne aussi. Et alors? Bah, alors, c'est Alexandrine. Ça recommence? Je croyais qu'elle avait pris son parti de la situation. Eh bien non, mon bon. Une nouvelle flambée depuis cette histoire du bois de Boulogne avec Julia Daudet. Je peux tout de même pas enfermer Jeanne. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alexandrine s'est barricadée dans l'aile germinale. Si vous pouviez lui parler. Oh, ça va être facile. Très bien. Faites-moi préparer une chambre pour quelques jours, parce qu'elle est têtue, Alexandrine. Pauvre Alexandrine. C'était trop beau, le ciel est canaille quand on est heureux. Il faut mourir, il faut qu'on s'en aille quand on est heureux. Je fis connaissance au mois de décembre auprès de Billancourt. D'un marinier aucun comme l'ambre, un vrai bras d'amour. Se gagner le midi, c'est pas de la belle. Comme il dit bien. Et tu n'as pas peur de l'orage? Mais non, pourquoi? Je déteste l'orage. Si elle se couvre, nous devrions rentrer. Non, il passe à côté. Tu n'aurais pas plutôt peur des mauvaises rencontres? On les risque partout, les mauvaises rencontres. Je lui faisais des tas de sortilèges pour monter un peu. Je lui causais comme un chat qui miaule, lui riochait.
Puis il me disait, rentrons à la piole, les temps de se coucher. Il m'appelait sa gosse et sa petite môme. Le jour en bateau, il me promenait la nuit, fou de ma peau. Il me caressait, fallait voir comme. C'était un gars, c'était un homme. Ah, est-ce que j'aime cette chanson? C'est vrai, il s'éloigne. C'était trop beau. Émile. Elle est belle, cette chanson. On dirait du mot passant. Le médecin dit que je me décolle grâce à Yvette Guilbert, merveilleuse. Dans deux mois, je dévisse ma boussole, faut partir. Y a pas. C'était trop beau. Tu as eu des ennuis à mes dents. Il y a les canailles quand on est heureux. Ouais. Il faut mourir. Faut qu'on s'en aille. Je ne comprends pas. Alexandrine connaît la situation. Elle l'avait admise. Elle repart dans un noir. Sarah a dû rester couchée et elle ne l'a vu que le lendemain soir. C'était mon gars, c'était mon homme. Jeanne, je lui ai renouvelé ma proposition de divorce. Je lui faisais des tas de sortilèges pour monter un peu. Je lui causais comme un chat qui miaule, lui, il riait. Il ne voudra jamais porter un autre nom que le tien. Il est trop fier de toi. C'était trop beau, ciel et canaille quand on est heureux. Puis ce serait une mauvaise action. Ça dure jamais, faut que je m'en aille, ma poitrine sonne creux. Le médecin dit que je me décolle grâce à ce beau train-là. C'est terrible, cette situation. Tous les trois partagés, divisés, déchirés. Par ma faute. Il faut mourir, faut qu'on s'en aille quand on est heureux. Il m'appelait sa gosse. Ciel et canailles. Mourir quand on est heureux. C'est peut-être la réponse, Émile. Jeanne. Ça ne finira donc jamais. Je ne veux pas faire le malheur de tous. Jeanne, moi qui souhaiterais avoir autant d'enfants que la nature l'aurait voulu. C'est ce qu'elle ne pardonnera jamais, Émile. Je la comprends. Thank you.
la France, ça. C'est plus du journalisme, ça. Après, qui en as-tu? Eh, hey, Drummond, encore Drummond, toujours Drummond. Il aime pas les Juifs. Il a le droit. Il a peut-être le droit de ne pas aimer les Juifs, mais enfin, tout de même. Oh, tiens, c'est exactement le ton de Léon Daudet l'année dernière, quand il est revenu de la dégradation de l'officier Dreyfus. Le jour du bois de Boulogne, je me souviens très bien. Ah oui? Et il agite la haine raciale, cet affreux bonhomme. Écoute-moi ça. On reconnaît chez les Juifs l'usurier qui consomme la ruine de l'officier endetté, l'espion qui trafique sans pudeur les secrets de la défense nationale, et le fournisseur qui spécule sur l'estomac du soldat. C'est ignoble! C'est répugnant. Où est mon peignoir? J'ai mis chauffé. Il appelle au meurtre, cet affreux bonhomme. Voilà. Tu vas voir, moi, je vais lui régler son compte. Émile, l'eau sur le parquet ciré! Et pour monsieur, qu'est-ce que ce sera? Un boc. Très bien, monsieur. Deux absinthes, un boc, un demi qui marche pour la terrasse. L'antisémitisme n'est jamais que l'arme d'un parti politique. Jeter le juif en pâture aux revendications des déshérités, il y a là un socialisme hypocrite et menteur. Si un jour la loi du travail se formule pour la vérité et pour le bonheur, elle recréera l'humanité entière. Eh bien, mon cher Alexis, les héritiers de Goncourt font un procès. Il n'y aura probablement jamais d'Académie Goncourt. Ah, mais je le regrette bien pour vous. J'aurais tellement aimé que vous puissiez y entrer. Bon, dans le fond, ça vaut mieux. Il m'aurait déplu d'être à l'Académie Goncourt. Alors que vous n'êtes pas à l'Académie française. Ah, oui, c'est vrai. Décidément, ils ne veulent pas de nous. Émile, ne coûte pas toutes mes roses. Oh, mais il y en a tellement cette année. Laissons un peu dans le jardin tout de même. Il y a un visiteur pour toi. Bernard Lazare. Oh. Tu connais? Oui, un jeune poète. Lazare, deviendriez-vous symboliste? Ah, non, non, rassurez-vous. Non. Il a lu mon article dans le Figaro sur l'antisémitisme. Drummond le déteste encore plus que moi. Je comprends. Connaissant Lazare, il ne se déplace pas sans raison. Ah oui, ça c'est vrai. Il m'a envoyé deux brochures qu'il vient d'écrire sur le procès de Dreyfus. Tu vas le recevoir? Tiens, c'est un confrère et je préside la Société des gens de lettres. Tiens, tiens, voilà Alexandrine. Tenez, mon cher Alexis. Continuez sans moi. Sacré Émile. Pardonnerai cette tenue rustique, mon vieux, mais je jardinais. Je vous en prie. Asseyez-vous, mon bon. Mon cher maître, je vous ai apporté ma brochure. Oui, j'en ai déjà deux, merci. Vous l'avez lu? Franchement, non, mais en revanche, j'ai lu vos poèmes, La fiancée de Corinthe. Vous avez aimé? Moi, j'ai arrêté d'écrire des vers à 20 ans et j'avais bien raison. Monsieur Zola, j'ai beaucoup admiré cet été votre article du Figaro. Quel courage. Je suis juif. Juif du Midi, de Nîmes. Ah oui, un peu de café. Moi, je le prends froid et sans sucre. Avec plaisir. Monsieur Zola, je vous admire. Surtout Germinal. Ah, vous, vous aimez Germinal? On peut aimer autre chose que ce que l'on fait. Mais Nîmes, dites-moi, c'est presque la Provence, nous sommes un peu cousins. Lazare, rien ne pouvait me toucher davantage que cette sympathie d'un adversaire. Un adversaire littéraire, bien sûr, parce que moi, le symbolisme, vous savez. Restez donc dîner avec nous. Mais je vous préviens, votre affaire m'assomme. Je sais simplement que votre Dreyfus a été arrêté il y a 2 ans. 2 ans. 2 ans de bagne. Boulet au pied. Oui, je sais. Quelle horreur. Enfin, tout de même, il a été condamné par un conseil de guerre à l'unanimité des 7 juges. Oui. Oui, mais pourquoi et comment ?
Je ne vous apprendrai pas, M. Zola, que les Italiens et les Allemands entretiennent chez nous un réseau de renseignements. Oui, comme nous chez eux, j'imagine. Tu es sage, Pimpin. L'état-major français a en effet un service de contre-espionnage, la section de statistique. Oui, le fameux deuxième bureau. Si vous voulez. Cela étant précisé, il y a 2 ans, le deuxième bureau apprend qu'un officier de l'état-major français renseigne les Allemands. Le chef de ce deuxième bureau apporte au ministre de la guerre... Attendez, c'était Mercier. Oui, c'est ça. Une ganache. Ah, pire. Il lui apporte un bordereau d'expédition de renseignement. Voilà, le fameux bordereau. Ridicule comme pour une maison de commerce. En fait, on a eu le tort de l'appeler bordereau. C'était seulement la liste des renseignements militaires que le vendeur proposait à l'acheteur. Et comment l'a-t-on eu, ce bordereau? Dans la corbeille à papier de l'ambassade d'Allemagne. Bravo. Oui, la femme de ménage ramasse les papiers des corbeilles, les fourre dans son jupon et les remet à un agent français, son amant, dans une chapelle de Sainte-Clotilde. Au début de ma carrière, Lazare, j'écris un grand roman feuilleton, Les Mystères de Marseille. Eh bien, votre scénario, je l'aurais refusé. Invraisemblable. Invraisemblable, peut-être, mais vrai. Le bordereau était en morceaux, il est reconstitué. Il est remis au général Mercier, ministre de la guerre. Sans nouvelles, quelques renseignements intéressants. Premièrement, une note sur le train hydraulique du 120 et la manière dont s'est conduite cette pièce. Il est renseigné, le gaillard. Deuxièmement, troupes de couverture. Troisièmement, modification apportée aux formations de l'artillerie. Tiens, tiens. Qu'est-ce que vous lisez là, commandant Henri? Vous permettez, monsieur le ministre? Quatrièmement, note relative à Madagascar. Oui, après, l'écriture est si petite. Cinquièmement, le projet de manuel de tir de l'artillerie de campagne. Ah, encore l'artillerie. Mmh. Il y a la date 14 mars 1894. Et ceci. Ce dernier document est extrêmement difficile à se procurer et je ne puis l'avoir à ma disposition que très peu de jours. Après ? Après, le traître dit qu'il va partir en manœuvre. Eh bien, messieurs, ça me paraît clair. Les fuites viennent de l'état-major, d'un officier. Qui avons-nous à l'état-major? Nous avons apporté la liste alphabétique, monsieur le ministre. Lieutenant-colonel d'Abbeville. Plaisantons pas. Capitaine d'Arlincourt. Commandant de Bassano. Commandant du Paty de Clam. Ah. Je ne crois pas. Merci, monsieur le ministre. Lieutenant de Bassompierre. Impensable. Capitaine de Beauchamp. Impossible, c'est un cavalier. Le traître ne peut être qu'un artilleur. C'est évident, mon général. Il tombe mal, je suis artilleur. J'ai un flair d'artilleur. Les artilleurs, s'il vous plaît. Ah, je les ai, mon général. Ils sont pas nombreux. Merci. Allez-y. Eh bien, nous avons Bergeron, le fils du général, Boissaudet, de Castelnau, d'Artois, insoupçonnable. Pardon, commandant. Mais, monsieur le ministre, celui-ci. Dreyfus, capitaine Dreyfus, en stage à l'état-major. Ce nom me dit quelque chose. Ah oui, c'est le général de Boisdeffre qui me l'a cité. Un Alsacien, n'est-ce pas? Un artilleur. Alsacien et... Eh? Juif, mon général. Alors les soupçons se sont portés sur lui simplement parce qu'il était juif? Oui. Un officier juif faisait partie de l'état-major, il fallait l'en chasser. Incroyable. Bah, continuez.
L'enquête est confiée à Dupaty de Clam. Il convoque le 15 octobre le capitaine Dreyfus à l'état-major en lui demandant de se présenter en civil. Entrez. Capitaine Dreyfus, en stage à l'état-major. Asseyez-vous, monsieur Dreyfus. Non, non. Pas ici. Là. À vos ordres, mon commandant. Je me suis blessé à la main et j'ai une lettre à vous dicter. Bien, mon commandant. Vous êtes prêt, monsieur ? Mon commandant. Adresse. Monsieur le colonel von Schwarzkoppen. Schwarzkoppen, ambassade d'Allemagne, rue de Lille, Paris. Date 15 octobre 1894. Texte. Sans nouvelles m'indiquant que vous désirez me voir. Je vous adresse cependant, monsieur. Je ne vais pas trop vite? Non, mon commandant. Je vous adresse quelques renseignements intéressant. Premièrement, une note sur le frein hydraulique du canon de 120 et son... Ça ne va pas, monsieur ? Fort bien, mon commandant. Vous tremblez ? Il fait un peu froid et j'ai les doigts un peu gourds. Voulez-vous vous lever et continuer en vous appuyant à ce meuble? Oui, écrivez debout. À vos ordres. Et la manière dont s'est conduite cette pièce. Cette pièce? Vous êtes très fort, hein? Je ne comprends pas. Vous n'avez aucune idée de ce texte? Aucune. Tertio. Une note sur une modification aux formations de l'artillerie. De l'artillerie. Donnez-moi ça. Tenez, donnez. Capitaine Dreyfus, vous êtes arrêté. Mais pourquoi? Vous le savez fort bien. Vous êtes accusé de communication d'informations militaires à l'Allemagne. Comment est-ce impossible? Capitaine. Lieutenant. Saisissez-vous de cet homme. Mon commandant, mon honneur d'officier. Je vous en prie, ne me parlez pas d'honneur. Mais ma femme, va puis-je au moins prévenir ma femme? Le service s'en chargera. Quant à votre honneur, capitaine, vous pouvez encore le sauver. Laissez-le. Non, mon commandant. J'ai donné ma vie à l'armée. Qu'on le conduise au cherche-midi. Mon commandant, je ne suis pas coupable de ce dont on m'accuse. Ma vie est sans reproche! Au secret jusqu'à nouvel ordre. Alors, il a avoué? Non. Oui, il est coriace, commandant Henri. Son indifférence prouve simplement que c'est un traître endurci. L'écriture? Voilà. Oh, bah, c'est bien celle du bordereau. Entre nous, Henri, je crains que ça ne soit pas suffisant pour nos chefs.
évidemment, des aveux, ça serait mieux. Évidemment, oui. J'ai une idée. Demain soir, on cherche midi. Ce n'est pas réglementaire. Vous savez au nom de qui nous agissons, commandant? Je suis le commandant de la prison. Et je n'ai reçu aucun ordre. Je suis le commandant du paty, de l'état-major général. Je vous répète! Commandant Forzinetti, vous me connaissez. Je me porte garant du commandant du paty. Au nom du service. Si le service en prend la responsabilité... Où est-il? Pas ici. Avez-vous une lanterne, commandant? Une lanterne? Oui, oui, une lanterne. Le couloir est très éclairé. Il me faut une lanterne. Très bien. Allez chercher une lanterne. Si vous voulez bien me suivre. Bon, eh bien moi je file de la libre parole. Commandant Forzinetti. Commandant. Nous comptons tous sur vous, Dupaty. Vous pouvez. Je vous accompagne. Fébrile, anxieux. Oui, il a dormi. Il a dîné, il s'est refait. Et vous n'avez rien remarqué? Rien, rien d'insolite? Non, mon commandant. Non, on me l'a amené, j'ai fait conduire dans sa cellule et depuis il dort. Bien, venez ici. Vos complices sont tout révélés. Avouez! Je n'ai pas de complices. Vous avez des complices. Le Kaiser! Mais vous êtes fou! Vous êtes un traître, vous entendez? Un traître! Je finirai bien par vous faire parler. Puis-je vous demander de noter, commandant, que je demande Maître Demange comme avocat? Nous en Forzinetti. Allons-nous-en. Ah, il est très fort. Je me demande si votre affaire marche bien, commandant. Alors Dreyfus n'a jamais fait d'aveu. Jamais, maître. C'est la presse antisémite et certains officiers de l'état-major qui ont inventé de toutes pièces cette légende. Forzinetti pourrait en témoigner. Il le pourrait. On peut le voir, Forzinetti? Oh, certainement pas. Pourquoi? C'est un militaire, il refusera. Bah alors, vous affirmez sans rien prouver? Il n'y a qu'un fait indiscutable. Pour l'état-major, Dreyfus est coupable avant d'avoir été jugé. Coupable? Avant le conseil de guerre? Avant d'être jugé? Monsieur Zola, Dreyfus était condamné avant même d'être inculpé. C'est pour cette raison que Dupaty de Clam avait fait venir Dreyfus en tenue bourgeoise, pour qu'il n'y ait aucun scandale lors de l'arrestation. Je ne comprends pas cet acharnement contre un si mauvais coupable. L'antisémitisme seul ne l'explique pas. Oh, si. Dreyfus acquitté. Le premier officier juif entrait à titre permanent au grand état-major. Vous lisez Drummond, vous devez comprendre. Enfin,
Enfin, quoi, Dreyfus a quand même été condamné par 7 officiers à l'unanimité. En effet. Sur un dossier secret. Un dossier secret? Un dossier qu'on ne montre pas à l'accusé, pas à l'avocat, pas à la famille. Alors, ce serait une forfaiture. Exactement. C'est le mot. Vous l'avez, ce dossier? Non, mais je sais qu'il existe. Oui, mais vous ne l'avez pas. Lazare, quel est le but de votre visite? Monsieur Zola, il faut un écrivain de poids pour réveiller la conscience française. Un homme de caractère et de courage. Il n'y a que vous. Alors vous voulez que je raconte cette histoire de corbeille à papier, de revolver tendu et de lanterne sourde? Et de dossier secret que vous n'avez pas? Enfin quoi, pourquoi, moi? J'avais pressenti François Copé. Eh bien c'est parfait, François Copé. Il est de l'Académie française, François Copé. Allez donc voir François Copé. Et puis vous tombez mal parce que je suis en plein dans mon roman, Paris. Ah. Écoutez, allons dîner, mon bon, et puis parlons d'autre chose. Monsieur Zola, vous m'avez fait comprendre le plus terrible de notre dossier. Quand la vérité est incroyable, comment la faire sortir du puits? Tous ces toits, ces monuments, le sillon des rues, on dirait un immense champ labouré par une charrue géante. Regarde cette lumière, Jeanne. Cette poussière lumineuse qui vient ensemencer Paris. De là naîtra la grande moisson future. Une moisson de vérité et de justice. Oh, il faut que je note ça. Je le mettrai dans mon prochain chapitre. Comme je suis content d'être avec toi quand tu travailles. Je voudrais être avec toi tout le temps. Jeanne, je ne te rends pas heureuse. Aussi. Mais parfois, ce partage... Tu as la meilleure part. Oui, la part la meilleure. Je te demande pardon. Émile, c'est moi. Oublie ce que je viens de te dire. Oh. Oh, regarde. Regarde ce qu'ils en ont fait. Oh. Tu as vu, il y en a de grandes. Hélas, oui. Merci, monsieur. Tu as vu? Le docteur Pascal. Oui, oui. Tu as vu ce qu'ils disent? Je l'ai lu ce matin. Ils ont condamné Dreyfus sur une pièce secrète. Il n'en a jamais rien su, ni son avocat. Tu vas te mettre à croire ce qu'il y a dans les journaux, maintenant? Je suis sûre qu'il est innocent. Cet homme est au bagne, maintenant. Quelle injustice, tout ça me révolte. Tu as changé, Jeanne. Oui. J'ai changé. Jeanne, tu m'inquiètes. Enfin, comment peut-on accepter ça? Dis donc, tu ne crois pas que... il va y avoir un orage?
Mettons-nous à l'abri. Oh. Calme-toi, Émile. Oh, tu sais, avec cette charpente de fer. Mais ce n'est rien. Allez, viens. Je ne peux pas bouger. Mais ne crains rien. Allez, viens. Messieurs, dames. Vos effets, monsieur. Pardon. S'il vous plaît. Oui. Table 3 pour ces messieurs, dames. Si vous voulez me suivre, messieurs, dames. Viens. Voulez-vous nous servir de grog? Oui. Tu défendais Manet et Cézanne. Quand tu as affronté le procureur impérial. Quand tu as appelé à la République avant Sedan. Quand tu as dénoncé dans tes livres l'état de cette société, tu n'as jamais eu peur. Voici vos grogs, messieurs, dames. Merci. Il n'y a plus d'éclair. Ça va passer, hein? Oui, c'est fini. Je suis si lâche. Émile, tu es l'homme le plus courageux que je connaisse. Sauf devant l'ordre. Et devant la foule. Justement. Tu as peur parce que tu es courageux. Tu agis quand même. C'est vrai que tu as changé, Jeanne. Oui, je crois que je suis en train de devenir ta Clotilde. La Clotilde du docteur Pascal. Tais-toi. J'étais déjà Clotilde par les enfants, bien sûr. Ça, c'est facile. Oui, c'est facile. Mais le docteur Pascal, il voulait plus. Ton héros qui te ressemble le plus. C'est vrai, Jean. Tu sais, pour Dreyfus. Eh bien, il y a sûrement quelque chose de vrai. Moi aussi, ça me tourmente. J'en étais sûr. Je t'en supplie, laisse-moi écrire notre pari. Nous allons déjeuner ici, au champagne. Au champagne? Oui, nous venons d'avoir notre premier orage. Ça se fête. Raté, mon cher maître. Et voilà un rétro. Au fond, voyez-vous, le rétro, c'est comme dans la vie. On tape sur une bille, on croit qu'elle va rouler en avant. Elle recule. C'est parce qu'on tape par en dessous, mon cher maître. Mais alors vous m'en parlez ou vous m'en parlez pas? Vous parlez de quoi? De Dreyfus. Mais je croyais que ça ne vous intéressait pas.
À vrai dire, votre affaire me travaille. Je vois Dreyfus. Le ban, il boulet au pied. Et ça me donne des cauchemars. Vous avez du nouveau? Oui. Un colonel du deuxième bureau. Arrêtons-nous, hein, voulez-vous, Lazare? Un colonel du deuxième bureau. Vous fumez, mon cher maître? Non, 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 je ne fume plus. En somme, vos renseignements sont de première main. D'autant plus que ce colonel du deuxième bureau en est le chef. Ah, pigre. Bien, vous allez pouvoir m'expliquer, parce que moi, dans votre affaire, il y a des choses qui me turlupinent. Par exemple, ce dossier secret, là. Comment les journaux l'ont-ils connu, puisqu'il était secret? Après le procès, un juge du conseil de guerre a confié à un avocat qui l'a rapporté à Maître Demange, le défenseur de Dreyfus, qu'une mystérieuse pièce secrète avait été communiquée au conseil de guerre lors de la délibération. Et ça, bien sûr, à l'insu de l'accusé et de son défenseur. Quel juge et quel avocat? L'avocat de Dreyfus est tenu au secret, elle ne peut pas le dire. Toute indiscrétion de sa part le ferait poursuivre, lui, pour espionnage. Ah, l'avocat? Oui, l'avocat. Vous me donnez à réfléchir, Lazare. Ce serait devenu ça, la République, eh bien, Badinguet était plus franc. Et ce n'est pas tout. Ah! Oui, on sait aujourd'hui, avec certitude, que Dreyfus n'est pas l'auteur du bordereau. Non, mais non, c'est pas Dreyfus. Le colonel du deuxième bureau a découvert le vrai coupable. Hein? Et pourquoi n'en a-t-on rien dit? S'il parle, le colonel sera inculpé d'espionnage, lui aussi. Et vous, on vous a pas inculpé? Si on savait que je sais la moindre chose, je serais inculpé. Mais ben, pourquoi pas moi, alors? Et le coupable, alors, qui est-il? Ah, je ne connais pas son nom. Seul le colonel du deuxième bureau le sait. Et ce colonel, lui, qui est-il? Le colonel Picard. Ah! Picard, bon, ben écoutez, moi, je veux rencontrer le colonel Picard. Impossible. Comment impossible? Ben, il refusera. Pourquoi refusera-t-il? Mais parce qu'il ne veut pas trahir sa mission. Mais qu'est-ce que c'est que ce militaire? Un militaire, Zola. Voilà tout. Mais je peux vous faire rencontrer quelqu'un à qui le colonel Picard a confié son désarroi. Qui? Son avocat, Maître Leblois. Ça vous intéresse toujours? Alors c'est toujours quelqu'un qui l'a dit à quelqu'un, qui l'a répété à quelqu'un. Et puis personne ne peut parler. C'est l'histoire de l'homme qui a vu l'ours, votre affaire. Et avec votre avocat, ça sera pareil. Écoutez, Lazare, moi, votre affaire, elle me préoccupe. Hein? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et puis vous m'embêtez, là! Vous m'assommez! Vous me persécutez! L'affaire Dreyfus ne me concerne pas! Très bien, maître. Mais croyez-vous que Voltaire était plus concerné quand il a appris l'affaire Calas? Mais Calas, Calas, c'est fini, je ne suis pas Voltaire, moi! Hein? 5h, zut! Écoutez, je vous laisse, hein, j'ai à travailler. Jules va vous raccompagner. Puis vous me donnerez ma revanche la prochaine fois. Un hasard. Thank you.
enlevez bien tout ce qui est pourri, hein? Oui, madame. Tiens, voilà, monsieur, madame. Bah, où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le vois bien. Des confitures. C'est très bien. Où tu vas? À la mairie. À la mairie? Oui, j'avais oublié. Je suis conseiller municipal. Hein? Tu as besoin d'une bicyclette pour aller à 300 mètres? J'ai besoin d'exercice. Bien sûr. Exercice. Oh là là. Oui, mais dans quel état? Mais tu as chaud, mais tu en as. Mais tiens, cette maison que je vous ai louée est à 6 km de mes dents, puis tu sais, la dernière côte, elle est dure, hein? Enfin, ça me fait maigrir. Les enfants, venez, voilà papa! Dis donc, je vous ai à peine entrevu. Enfin, je te l'ai dit souvent. Passer ce gros arbre, là, je ne peux plus vous voir. Enfin, si tu crois que c'est facile de les tenir. Hop! Bonjour, Jeanne. Bonjour, toi. Ah, mes enfants, mes enfants. Vous devez obéir à votre mère quand elle vous demande de rester auprès d'elle, sinon je ne peux pas vous voir avec mes jumelles. Voyons. Mais moi, je suis restée. Jacques est parti. Moi, je l'ai poursuivi. Maintenant. Bon, bon, vous allez, non, non, allez, allez, maintenant. Allez, je vais. Oh, tu veux boire quelque chose? Oh, volontiers. Justement, j'étais en train de préparer le goûter des enfants. Comment ça va là-bas? Bah, ça va à peu près. Alexandrine fait des confitures. Puis elle trouve que je vais un peu trop souvent à la mairie. Bien, moi, je trouve pas. J'ai revu ce Lazare. J'ai même failli manquer notre rendez-vous optique à cause de lui. Et il t'a appris quelque chose de nouveau? Rien. On a joué au billard. Il a gagné. Il gagne toujours. Il m'irrite, ce personnage. Tu sais, c'est un donneur de leçons. Mon cher maître, vous voyez, le rétro, il faut frapper la bille par-dessous et puis elle revient. C'est comme dans la vie. Ben moi, dans la vie, je fais jamais de rétro. Et je frappe bille en tête. Là. Et à propos de Dreyfus, il ne t'a vraiment rien dit de nouveau? Rien, je te dis rien. Rien de vérifiable. Il n'y a que des fantômes dans cette histoire. Il m'a parlé d'un colonel du deuxième bureau qui aurait découvert le vrai coupable. Oui, mais ce nouveau coupable, personne ne sait qui c'est. Quant au colonel, personne ne peut le voir. Et si par hasard on le rencontrait, il jurerait ne rien savoir. Enfin, quoi? Des ragots de bonne femme, tout ça. Je crois qu'il n'est pas entièrement désintéressé, ce Lazare. Il travaille pour les Dreyfus, hein. Séard me l'a dit. Séard? Enfin, il est antisémite. Enfin, Lazare est le secrétaire des Dreyfus, ça aussi c'est vrai. Et puis il fume de mauvais cigares. Ah, il empeste. Décidément, je n'aimerais jamais aller symboliser. Hein? Enfin, tu le sais bien, Jeanne, cette affaire me préoccupe. Je ne suis pas lâche, mais il n'y a rien de tangible. Je ne peux tout de même pas me transformer en policier, je suis un écrivain, moi. Paris n'est pas terminé et j'ai les évangiles à mettre en chantier. Pourquoi tu ne dis rien? Émile, quoi que tu fasses, j'ai confiance en toi. Tu as toujours fait ce que tu devais. Oui. Bon, eh bien, j'ai affaire à Paris et je rentre demain. Et je ne reviendrai à mes dents qu'à la fin du mois. Alors, si tu pars, moi, je pars aussi. Je ne veux pas te savoir loin de moi. Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous ne quitterons nos places que par la force des baïonnettes. Mirabeau avait du panache. Oui, c'est impressionnant.
Et pourquoi? Vous êtes chez vous, à la Chambre des députés? Oui, mais ça m'impressionne toujours. Vous connaissez Gued? Ah, mais bien sûr. Bien, je profite de cette visite pour vous remercier, Gued. Vous m'avez bien aidé pour Germinal. Vous vous êtes bien servi de mes notes. Ah, j'ai fait de mon mieux. En ce moment, je ramasse des matériaux pour un nouveau groupe de romans et j'aurai encore besoin de votre aide. Avec plaisir, que pouvons-nous pour vous? Ça s'appellera Les Quatre Évangiles. Vous ne vous trompez pas de boutique, Les Évangiles. Fécondité, travail, vérité et justice. Alors dans ce cas... Et surtout pour travail, j'ai besoin d'une documentation sur le mouvement ouvrier. Vous connaissez Allemagne? Il a survécu à la commune. Je vous aiderai. Merci. Et puis, vous pourrez assister à notre prochain congrès. Ce sera intéressant. Les législatives approchent. Pourquoi ne vous présentez-vous pas avec nous? Vous êtes des nôtres. Oh, des vôtres, je suis républicain. Voilà tout. Vous sous-estimez la puissance de votre œuvre, Zola. Vos ennemis ne s'y trompent pas. Pour l'assommoir, certains d'entre nous avaient fait quelques réserves. Mais Germinal. Et puis Paubouille et la débâcle, ils ne vous pardonneront jamais. Vous êtes un révolutionnaire, Zola. Plus que nous-mêmes, peut-être. Parce que je raconte tout bonnement ce qui ne va pas. À ce compte-là, c'est facile d'être révolutionnaire, il n'y a qu'à dire la vérité. Et c'est la vérité qui est révolutionnaire. Voyez-vous, je ne suis pas un politique, je ne suis qu'un témoin. Le témoin de Germinal? Oui, je montre les plaies, mais je n'opère pas. D'ailleurs, je ne saurais pas. Les chirurgiens, c'est vous. Et puis j'ai horreur des foules, alors député. Je vous aime bien, Jaurès. Mais le mandat de député est un des plus lourds que je connaisse. Et puis je n'ai pas l'esprit de parti, je ne suis pas un militant. Vous voulez tout régenter avec votre Proudhon? Mais nous ne sommes pas du tout pour Proudhon. Ah bon? Ah, je croyais. Et l'affaire Dreyfus, qu'est-ce qu'on en dit chez vous? Le parti n'a pas à se mêler de cette triste mésaventure d'un officier bourgeois, même s'il est juif. Même s'il est innocent? Ça, ce serait une autre histoire. Vous vous y intéressez? Pas du tout. Je ne m'intéresse pas plus à l'affaire Dreyfus qu'à votre mandat de député. Tiens, pour ta collection de crapauds. Madame, votre cochon de mari fait toujours de la bicyclette avec une dévergondée qui pourrait être sa fille. Comme cette créature est votre ancienne lingère, on dit que vous tenez la chandelle. C'est une nouvelle lettre que je viens de recevoir. Eh ben oui, nous faisons de la bicyclette au bois de Boulogne. Tu le sais depuis le temps. Et le médecin me l'a recommandé. Oui. Eh bien, tu vas voir ce qu'il recommande à moi, le médecin. Et Alexandrine! Alexandrine, voyons! Moi qui croyais que tout était fini. Regardez les torchons que je reçois à cause de vous. Lisez, lisez. Vous êtes une dévergondée qui pourriez être sa fille. Madame. Je ne veux plus supporter cette situation, vous m'entendez? Madame, je vous en prie. Et vous allez quitter Paris, et tout de suite. Et vous allez me donner ces lettres. Ne me dites pas que vous n'en avez pas, je sais que vous en avez. Mon secrétaire. Mais madame, ce n'est pas digne de vous. Oh, je vous en prie, ne parlez pas de dignité, ce n'est pas le moment. Mais madame, enfin, vous n'avez pas le droit. Pas le droit. Enfin, ces lettres m'appartiennent, elles me sont adressées. Oui, par mon mari. Ma Jeanne chérie. Mais madame! Ah! Jeanne adorée. Enfin, ces lettres sont à moi. Ma colombe. Madame, je vous en prie. Cet homme est fou, complètement fou. Et vous figurez que ça, ça paraîtra un jour? Mais non. Jamais, vous m'entendez? Jamais! Non! Si vous croyez que vous avez brûlé ces sentiments avec... J'ai pitié de vous. Pitié de moi.
Je vous paye 2 mois de gage, vous m'entendez? Et vous allez quitter Paris tout de suite. Madame, vous m'insultez. Oh, ne le prenez pas de si haut. Vous n'êtes qu'une lingère, après tout. Une lingère vaut une fleuriste, madame. Ah, il vous a dit ça aussi. Eh bien, je n'en ai pas honte. Mais vous allez partir, vous m'entendez? Partir tout de suite. Partir, 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 partir! Mais non, c'est pas vrai, c'est donné qui est pas sage. Allez, vous êtes sages tous les deux. Qui c'est, la dame? J'ai honte de ce qui s'est passé. Ne te tourmente plus, mon chéri. Comment Alexandrine a-t-elle pu en arriver là? Elle t'aime, Émilie. Voilà tout. Elle est malheureuse et je la comprends. C'est moi qui t'ai donné les enfants qu'elle aurait aimé avoir de toi. Oui, je sais ça. Mais elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait pas dû s'en prendre à toi. Je suis sûre qu'au fond, elle regrette. Oui, c'est vrai, elle n'ose plus me regarder, elle n'ose plus me parler. Elle s'enferme dans sa chambre et elle pleure. Tu vois? Tout est de ma faute. Je fais le malheur de tous. La vie est ainsi, mais voilà tout. Il n'y a rien à regretter. Moi, si je peux te rendre heureux, je suis heureuse. Qu'est-ce que je deviendrai sans toi? Tu as les enfants. Et tu as aussi Alexandrine. Tu es bonne, Jean. Non. Je t'aime. Je suis un égoïste. Je vis en égoïste. Je ferme les yeux parce que je ne veux pas voir. J'écarte tout ce qui pourrait venir troubler ma petite vie confortable. C'est comme pour ce Dreyfus, tu sais. Que l'on ait pu persécuter un homme parce qu'il est juif, ça m'indigne. Mais je ne fais rien. Mais tu y penses. Ça m'obsède. Si l'on peut assassiner impunément un homme pour ses opinions, sa religion, sa race, alors c'en est fait de toute liberté et des droits de l'homme dans ce pays. J'ai revu Lazare, Jeanne. Je le savais. Comment? Mais qui te l'a dit? Personne. Je savais que tu le reverrais. Émile, je te connais bien. Il doit me présenter ce maître Leblois, tu sais. Il faut que je sache Jeanne. Il le faut, tu comprends? Qu'avez-vous à m'apprendre, maître Leblois? Je crois que monsieur Lazare vous a déjà parlé du colonel Picard. Oui, oui, en effet. C'est un ami d'enfance et je suis aussi son avocat. Je dois d'abord vous dire comment le colonel Picard est devenu chef du deuxième bureau. Il y a 2 ans,
le patron du service de renseignement, le colonel Sander, est mis à la retraite. Celui qui compte bien avoir le poste, c'est le commandant Henry, un officier de troupe. Or, l'état-major désigne un breveté, le commandant Georges Picard. Attendez, attendez, maître Leblois, votre commandant ou votre colonel? Il a été nommé lieutenant-colonel lorsqu'il a pris en charge le service. Bon. Le colonel Picard est votre ami, dites-vous? Oui. Il a bien su un des premiers que Dreyfus avait été condamné sur une pièce secrète. Il a sans doute dû l'apprendre. Mais ça ne l'a pas frappé. Les militaires n'ont pas toujours le sens juridique. L'idée même qu'on ait condamné Dreyfus avec de solides raisons, même secrètes, pouvait plutôt alors rassurer le commandant Picard. Bravo. Décidément, pauvre Dreyfus, il ne compte pas beaucoup dans cette affaire. Vous permettez, monsieur Zola, l'important, c'est que ce dossier, désormais Picard l'a sous la main. Vous n'accablerez plus Picard, maître, lorsque vous saurez combien son attitude est digne de respect. Lazare m'a dit qu'il aurait découvert le vrai coupable. En effet. Voici comment les choses se sont passées. Il y a 2 ans, un jour du mois d'avril, au ministère de la Guerre, service des statistiques, le colonel Picard reçut une visite inattendue. Ah, lieutenant, le capitaine Dubois est-il de service? Oui, il est aux archives. Bien qu'il n'ait pas son mot. Entendu, mon colonel. Lieutenant-colonel Picard. Qui dois-je annoncer? Madame Bastien. Attendez-la. Oui. Mon colonel, Madame Bastien demande à vous voir. Bastien, faites entrer. Bonjour, monsieur le colonel. Madame Bastien, je suis assez surpris de vous voir venir ici. D'habitude, je ne viens pas moi-même. Je passe les papiers à monsieur Brucker. Il a une fièvre de cheval. Asseyez-vous, madame Bastien. Qu'avez-vous pour nous, madame Bastien? De l'ambassade d'Allemagne. Comme d'habitude, monsieur le colonel. C'est un pneumatique. Le Brun, voulez-vous prier le commandant Henri de passer à mon bureau? Où avez-vous trouvé cela? Dans la corbeille à papier. Je peux partir, monsieur le colonel. Oui, merci, madame Bastien. Voilà, monsieur le colonel. Il est bel homme, le nouveau patron. Mais il est fier. Mais comment, madame Bastien, vous ici? Mais monsieur le commandant, monsieur Brucker est très malade. Mais il fallait me prévenir. Eh bien, je suis venu. Bon, ça va.
Entrez. Bien respect, mon colonel. Mère Bastien est folle de venir ici. Son intermédiaire est malade. Oui, c'est ce qu'elle vient de me dire dans l'escalier. Mais quand même, il faudrait prévoir une solution de secours pour pallier à ce genre d'inconvénient. Pour pallier ce genre d'inconvénient. Henri, vous pouvez me reconstituer cela? Je le ferai faire palote, mon colonel. J'attends avant tout une explication plus détaillée que celle que vous m'avez donnée l'autre jour sur la question en suspens. En conséquence, je vous prie de me la donner par écrit pour pouvoir juger si je peux continuer mes relations avec la maison R ou non. Ça n'a pas grand sens, cette histoire. Ça porterait soigneux à l'ambassade d'Allemagne. Oh, mais... on a l'adresse. Un officier. Voici les archives concernant les officiers, mon colonel. Regardez si vous avez quelque chose à ce nom. Eh bien, mon colonel. État de service ou dossier particulier? Dossier particulier. Bien, mon colonel. Au service des renseignements en 77. Il y est resté 3 ans. Il refait acte de candidature en 90. Vous avez suivi l'affaire Dreyfus, capitaine? Pas particulièrement, mon colonel. C'est le commandant Henri qui en a été chargé. Où est le bordereau du procès Dreyfus? Les photographies dans le dossier du procès. Allez chercher le dossier et apportez-le à mon bureau. À vos ordres, mon colonel. Même écriture que celle du bordereau. Thank you.
Aucun doute. C'est l'écriture du bordereau. Vous en êtes sûr? Absolument. Vous ne voulez pas vérifier? Pensez si je la connais, l'écriture du bordereau. Cette pièce n'est pas de Dreyfus, monsieur Bertillon. Ce n'est pas possible, colonel. Elle est d'un autre officier. Qu'en dites-vous? Vous en êtes sûr? Certain. Je comprends. C'est clair, limpide. Depuis l'affaire, les Juifs se sont exercés à imiter l'écriture de Dreyfus. Ils y sont arrivés à la perfection. Cette pièce est antérieure à l'affaire Dreyfus. Antérieure? Antérieure. Je vous remercie, monsieur Bertillon. Sur l'officier à qui était adressé le petit bleu? Oui, mon colonel. Rien qui intéresse le service. J'ai demandé ce qu'ils en pensaient aux renseignements généraux. Cocherel me fait savoir un tas de choses. Fréquente dette de jeu. Oh. Vie dissolue avec une certaine Marguerite Béis, ancienne fille publique. Chantage, propos insultants pour l'armée française. Rien qui n'évalue une condamnation, mon colonel. Assez pour justifier la décision prudente de mon prédécesseur, le colonel Sander. Regardez, le colonel Sander avait bien reçu une lettre de l'officier en question faisant acte de candidature au SR. Vous ne le saviez pas? Le colonel Sander n'a pas donné suite. J'étais en congé alors. Pourquoi ce refus? Évidemment, Sander ne jugeait pas la conduite privée du candidat très édifiante. Pas très édifiante, en effet. Maintenant, regardez cette lettre d'un peu plus près. Rien ne vous frappe dans l'écriture de cet officier? Ma foi, rien. Vraiment rien. Vraiment rien. Oui, c'est le bordereau attribué à Dreyfus. Alors, les écritures. Oh, il y a une ressemblance. Résumons-nous, Harry. En 94, il y a eu des fuites. On a déniché le bordereau. On en a conclu que Dreyfus en était l'auteur, que Dreyfus était un traître. On a expédié Dreyfus au bagne. Or, actuellement, les fuites continuent. Quelle fuite? Le petit bleu apporté par Madame Bastian provient bien de l'ambassade d'Allemagne. Il était adressé ces jours-ci à l'officier en question. Et si ce petit bleu était un faux? Fabriqué pour libérer Dreyfus en désignant un autre coupable avec le nom et l'adresse. C'est quand même bien gros. Oui, c'est gros. Mais alors, comment expliquez-vous l'identité d'écriture entre le bordereau attribué à Dreyfus et la lettre de cet officier? Il est bien ici, le dossier secret? Dans la chambre forte. Allez le chercher. Le colonel Sander a donné la consigne permanente de ne jamais l'ouvrir hors de sa présence. Où est le colonel Sander, Henri? Dans une maison de repos. Commandant Henri, Sander dirigeait le service. C'est moi, maintenant, qui en ai la charge. Donnez-moi la clé. C'est l'officier archiviste qui l'a. Appelez-moi Gréblin. Très bien, mon colonel.
Lorsque j'étais aux Zouaves, il y a quelqu'un, le fils d'un colonel, un simple soldat, qui s'est rendu coupable de vol, colonel Picard. L'officier sous les ordres duquel il servait a voulu le faire poursuivre. Ses chefs n'étaient pas de cet avis. C'est l'officier qui a été brisé. Commandant Henri, vous semblez oublier qu'un officier a aussi une conscience. Bien respect, mon colonel. Voici le dossier secret, mon colonel. Quel est ce paraphe ? C'est celui du commandant Henri, mon colonel. Donnez-moi un coupe-papier. Secrète ? À ma connaissance, oui, mon colonel. À votre connaissance ? Il y en aurait donc d'autres ? Il faudrait demander au commandant Henri, mon colonel. Le rapport Guinée, la pièce de Panizzardi à Schwarzkoppen, 6 juin 12, plan directeur de Nice que ce canaille de D m'a donné pour vous. Je lui ai dit que vous n'avez pas l'intention de reprendre les relations. Ce canaille de D. Voilà, dans la pièce qui a fait condamner Dreyfus. Une simple initiale. Et à son insu. Je peux ranger le dossier, mon colonel ? Non. Je le garde. Colonel Picard, vous êtes un brillant officier. Pas du tout prosémite. Je suis antisémite, mon général. À la bonne heure. Vous allez comprendre la situation. La puissante Allemagne est à nos frontières, armée jusqu'aux dents. L'intérêt national commande. Il y a aussi l'innocence d'un homme. D'un côté, une nation tout entière, de l'autre, un homme. Entre nous, qu'est-ce que cela vous fait que ce juif soit à l'île du diable ? Mon général. Comment voulez-vous revenir sur le procès ? Le général Mercier est engagé là-dedans. Mon général Dreyfus est innocent. Si vous ne le dites pas, personne ne le saura. Mon général, c'est abominable ce que vous dites là. Colonel, vous vous égarez. Vous allez réfléchir à la situation. Mon général, puisque c'est la vérité. La vérité est l'affaire de vos chefs. Mon général, je ne sais ce que je ferai. Je n'emporterai pas ce secret dans la tombe.
Picard s'est confié à vous sous le sceau du secret, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien dire. J'ai juré. Je n'ai pas le droit de le trahir. Les nouvelles de Dreyfus sont mauvaises, maître. Madame Dreyfus a reçu des lettres bouleversantes. Je les ai apportées. Aie confiance, ma chérie. L'histoire reconnaîtra mon innocence. Et elle dira. Il a maigri de 20 kilos. Il vit dans une case, presque sans eau. Gardé jour et nuit, baïonnette au canon. La nuit, on lui met les fers aux pieds. La double. Je vous en prie. Il se trouvera bien dans notre beau pays de France, si prompt aux emballements, mais généreux aux infortunes imméritées. Un homme honnête et assez courageux. Chercher à découvrir la vérité. Assez courageux, Lazare. Thank you.